pas la convalescence, le président de la République a posé vraiment un tableau, a démontré. Makambu Ebele, c'était devant le média, nous allons vraiment en parler dans notre émission, et c'est là avec notre invité, le Sénanga. Le Sénanga, le Sénanga, la mort, la mort, la mort, et c'est la question. Pourquoi pas Joseph Kabila, comme il s'agit de la justice, comme il est contre Madame Olive Le Lekata et d'autres sujets d'actualité. Oyo, vous écoutez la Katia émission de Solopola, les élections au Sénat, les alliés vraiment repoussés à l'attaque. Contre Oromita, c'est l'État du Solo Nakatia émission de Solopola avec notre invité. Il s'agit de M. Joseph Beza, membre de l'UDPS. Joseph Beza, bonjour, bienvenue. Mauricio, merci pour m'inviter pour la première fois dans BRC News TV. Oui, il y en a plus de 100 000 abonnés. Voilà, donc je vous souhaite la justice, la majorité, si vous abonnez, parce que je vous pour la vidéo de commenter. Ça me fait plaisir, merci pour En tout cas, merci beaucoup, M. Joseph Mézandé-Genaouti, pour le Bahawa, d'entrée des cieux, le président de la République, à l'automatique, dans le média, et dans le Banaé, il a parlé beaucoup de choses, et il nous révèle que Joseph Kabila Kabange, il est à Zali Mokoumisi, il y a AFC, où il y a Corné Nanga. Joseph Kabila Azali derrière l'atrocité de Makambo, et Zali Poleka, à l'est de la République. Analyse une coquille ça par rapport à révélation au Mokozamboka à outil au Pesabiso. Merci pour l'occasion. Pesinga et Yako Tondanzambe au Azali à Sali Likolona, c'est pour la santé à Mokozamboka la Biso parce que le prophète de malheur a prédit des tas de choses. Mais le président nous est rentré déjà à Kinshasa depuis plusieurs jours. Il a tenu même un conseil de ministres restreint il y a gouvernement. Il est allé même assister na deuil à Papa Lekinaye au Yé Azwa Kombo Chilombo. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il est en bonne santé, il a toutes ses facultés, que Dieu soit loué. Parlons maintenant de l'interview du chef de l'État. C'était pour couper court dans la rumeur rébellée. Parce que Nekolabino, journaliste, un homme incontrôlé, Moussousou Borderline, Moussousou Perroloara. Journaliste Borderline. Yohana Pesousou. Donc, un monsieur insensé, un monsieur inutile pour la République, un Congolais de très très mauvaise qualité, Perroloara. Il a vociféré dans les médias, inutile, que le président de la République était évacué en urgence dans un état critique. Mensonge grossier. Alors, l'apparition du chef a soulagé les Congolais au mieux sur ma portaquée dans mon thème. Mais quand même, le chef était accompagné d'une équipe médicale. Mais c'est tout à fait normal. Le chef est chef, il est un être humain. Il est un être humain, il peut s'attaper au cocosso. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain. Alors, il est tombé malade, voilà. Il s'est fait soigner, gloire soit rendue à Dieu. Mais là, quand il y a ma révélation, il y a des Congolais qui sont hypocrites. Je dis bien hypocrites. Mais le président n'a dit que tout haut, qui ne sait pas que la personne de Joseph Kabila, c'est le malheur le plus absolu à Congo. Et surtout que le chef de l'État est mieux informé. Le monsieur, c'est lui le problème de ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'il est venu dans les valises de l'AFDEL, un Rwandais de son État. On a falsifié son identité, on a falsifié tout sur sa personne et il nous a géré pendant 18 ans. Quelle naïveté en tant que nation! Un Rwandais qui nous a dirigé pendant 18 ans. Ndekotene. Mais, Makambu Mokonzambo Kalobi, je vous ramène en 2017. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Monsieur Joseph Kabila, pas de son vrai nom, parce que c'est de nouveau son vrai nom, c'est Hippolyte Kanamé.
Mais Ndeko, n'a pas sa vérité. Youssouf Kabila, l'ancien président de la République. Mais sénateur à vie congolais. Zéla non, you know to ebika za Rwanda. C'est quoi le problème, mes amis? Il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut appeler le chat par son nom. C'est monsieur. Donc on était dirigé par un Rwandais. On était dirigé pendant 18 ans par un Rwandais imposé par Louis Michel et la communauté internationale. Et Kagame, en plus. Et Museveni. C'est ça la vérité. C'est pour cela que vous verrez que pendant son mandat, deux armées se sont affrontées à Kisangani. 6000 bombes, plus de 1000 morts. Bandekonabi sont battus à la Badega. Qui était président? C'est ce monsieur-là. Le mari de Madame Olive Lembe. Notre soeur qui souffre de beaucoup d'insuffisance affective de son mari. Et elle est aux abois, elle commence à dire de n'importe quoi. Le père de la démocratie. Et je dis ceci à Madame Olive Lembe, vous avez déçu le président qui vous a protégé tout ce temps. Ndekonazo, plus aux révélations, mon ibis est en tout seul pouvoir. Le premier chantier qu'on allait faire, c'était de s'occuper, de nous occuper de Kabila et de sa bande. Mais Moutaïb, c'est une autre des années. C'est le président Félix. Et aujourd'hui, cette dame crache sous la main de celui qui les a protégés jusqu'à ce présent. Et leur bien. M. Kabila et sa famille, Olive Lembe, Sifa, Laurent Désiré Ginon, et 68 entreprises dans ce pays. Je dis 68 entreprises. 68 entreprises pour une qui famille. Leur appartient à eux seuls. Ils ne sont que moins de 10 dans ces Zoé Kabila, Sifa, son enfant, lui-même et les autres. Mais c'est cette dame-là qui crache sur la mère de M. Félix. Et il est sorti comme ça, de manière aussi légère, raconter des bêtises. Mais le président dit que Joseph Kabila, il est à la tête. C'est lui le géniteur. Parce que Nanga, sur autant il profite, hein, ce n'est pas la personne idéale pour créer une rébellion. Voilà. Joseph Kabila, de son faux nom, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, est le fruit de l'AFDEL, formé par l'armée patriotique rwandaise. Je pèse bien mes mots. Issu d'une rébellion. Alors, pour les lois, ça la sous rébellion, par personne interposée. Yozo Kamongo, chassé le naturel, il revient au galop. En 2017, M. Joseph Kabila recrute le membre du M23 cantonné en Ouganda. Rapport détaillé, il y a Human Rights Watch par Ida Sayer. L'ONG britannique. Confirmé par Bertrand Bissimwa, qui vient d'être confirmé que Joseph Kabila a engagé des criminels qui nous ont tués pendant la période de 2016 à 2017 ici à Kinshasa et partout dans la République. C'est la même expédition militaire qui ont tué des Congolais au Kasaï par Kamuina Sapu. C'est eux, parce que les témoignages corporels, c'était des Rwandais. Alors, quand le président, qui est la personne le mieux informée, dit Kabila, mais le Congolais, il fallait totalement le battre, parce qu'il va lui dire, il faut bien là. Fallait que le Congolais va exiger arrestation à M. Kabila. Voilà les hypocrites qui sont en train de parler d'acharnement. Ça, c'est de un, de deux. Ndekolangaï. Vous dites que M. Joseph Kabila, il est géniteur de beaucoup d'accords avec Kagame qui nous a mis à genoux. Accord de 2009, le 23 mars, accord de novembre 2013. Ce sont des accords qui ont donné l'avantage aux Rwandais, ici dans ce pays. Nous avons informé, les Congolais, les Rwandais, les médias, les Kito, peut-être les éviter. Sous Joseph Kabila, les officiers, tous étaient plus nombreux que les officiers. Il y a le Congo, il y a le Swahili, il y a le Bangala, il y a le Congo. Est-ce que tu as déjà vu ça? Plus de 430 officiers supérieurs rwandais l'armée. Ça, c'est grave. Plus de 25 000 soldats rwandais incorporés dans le mixage, dans le brassage. Si que Moutande Mwana, au moins dans le territoire rwandais, nous secouons sans Bitumba, parce que c'était l'armée rwandaise que Kabila avait fait porter nos tenues militaires, après ça, dans le grade à Congo, nourri par le Congo, habillé par le Congo, payé pour le Congo. Alors, tant que Yokanina Bangote, président Lobby, pas d'accord de 23 mars 2009, et je me sens si je suis en Boka, il y a un peu de Bitumba, ça dit qu'on va bénir une armée d'infection. Si qu'on a mis la balle de ça, il y a un moment dans l'immédiat l'arrestation de M. Raymond Tchibanda. Tonga Moulom. Parce que c'est lui qui a signé cet accord. Un grand complice. Un grand complice, un traître de la nation. Si que, tant que président Zoloba Nemoana, ce qu'il y a un le président a dit vrai, Nanga. Et puis comment est-ce possible? En fait, le PPRD qui recrute ces gens ici, c'est le bureau politique du M23. Ce qu'on a commencé à battre. Mais oui! Parti pour la reconstruction et la démocratie. Ah, papa, ça n'a jamais été un parti. Et ces gens-là sont en train de partir de là.
C'est pour cela que le bango peut être procès. C'est pas que Macamou va Ferdinand Kambere à Rwanda. Non, Ferdinand Kambere a Yébiango, ce n'est que. En fait, Macamere Rwanda, c'est des gens de Congolais de mauvaise foi. Il a même le courage à correspondre les chefs de l'État. Non, c'est-à-dire que d'ici là, ils seront tous arrêtés par complicité. Mais c'est Kambere, tu as intérêt de fermer ta bouche. Parce que ce qui arrive dans les jours à venir, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Quand le président évoque ces messieurs de cette manière-là, le voilà. Président des informations, et le président est la personne la mieux renseignée parce qu'il travaille avec beaucoup de services de renseignement des pays étrangers. Bah, il dit, d'où est venue cette histoire de Nanga? Vous dites qu'il y a un certain Eric Nkuba qui a été jugé. Mais c'est parmi les gens qui ont été à la création de cette histoire. Et il a donné des informations. Il a donné des informations. Il faut attendre à tous les Olengankoye, Joseph Kabila. Le chef. Le prof Bob Kabamba. Pourquoi tous ces gens-là ne sont pas inculpés? Et puis j'aurais appris que. Pourquoi pas ça inculpés? J'aurais appris qu'Indy Omar ne va pas porter plainte contre le chef de l'État. Tu es fou dans ta tête, monsieur. Mais lui, il fait quand même un rebelle. Indy Omar, il porte plainte au chef de l'État. Qui protège les Congolais contre un Rwandais? Toi, tu veux nous porter plainte? Essaye de porter plainte. Et tu as le qui m'a dit. Quelque part, puis, bah, Congolais, bah, Koloba, c'est la légèreté. Il y a des questions. Oh, il y a des questions sur la télévision à la place d'arrêter. Non, ça commence par une dénonciation. Maintenant, la justice doit maintenant faire son travail. On était constamment tout le monde le bango. Joseph, déjà, qui m'a dit, Bandak, on a un bon côté. Tant que Kambou y a joué Sabino dans la matinée politique et Joseph a bimi na katamboko, ça y a pas de trace la deuxième et Caruso a sauté. Bon dimanche. Le pauvre Aloba et Lokongo. Aloba et Lokongo bandaka là. Mais ce qu'on dit, c'est parce que Zaïroka Kambou y a mtalobi, les gens croient que ce monsieur blaguait parce que Kambou était informé de cette situation. Et je vous informe que ce monsieur, ses pieds au Congo, c'est fini. Pour des mots, c'est fini. Toujours dans le même ordre d'idée, moi, Namboka, Joseph Benza, Maloba Moko Zamboka. Mamoni, porte-parole, il y a FCC Netto, ce qui est Joseph Kabila, porte-parole privé. Madame Barbara Nzimbi, à l'objet, ce qui m'ont conduit à moi, quand le placard, à l'émission bébé, on va dans la preuve, on va brandir et on va aller devant l'histoire. Encore, Barbara Nzimbi, tu aurais dû te taire. Tu en parles un peu trop comme au livre, le mais pia, 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 pia. Mais bon, là, il y a un accord entre Félix pour que Félix arrive au pouvoir. Même Némi Moulin a dit le lobby Missadé. Henri Magie, je me souviens, béret rouge. Madame, qui menaçait. Oh, madame, vous aurez dû être poli, réservé à l'égard de l'IDPS et du pouvoir de Félix parce que vous sont au bataille de Bokomati Bokomira. Mais comme vous avez craché sur la main qui vous a protégé, maintenant, beaucoup mon amène qui m'a mis sur. Madame Barbara, tu seras parmi la première Rwanda na Kabila. Non, beaucoup. Mais comment cette dame peut parler au président de la République comme ça? Non, c'est-à-dire, bon, d'habiter ici, elle est mariée, cette dame-là. Tu es au courant de sa vie, là. Si elle était mariée, son mari allait lui dire, hé, quand même, nous avons Makambo. Maman Barbara, hein? Madame Barbara, sur madame mademoiselle, Makambo, c'est une demoiselle quand même, parce que. Non, mais on a besoin de d'habiter sur madame, vous êtes mariée ou bien c'est une demoiselle. Mais. Makambo, on a déjà un niveau dans l'OT. Est-ce que madame, toi, tu connais M. Joseph Kabila? Je te regarde dans la caméra. Est-ce que tu connais la personne de Joseph Kabila? Il y a mon goût au livre, ils ont souffert des problèmes d'insuffisance affective pendant 3 ans. Il n'a jamais vu ce mal. Ce monsieur, c'est un monstre, c'est un extraterrestre que vous défendez, que vous ne connaissez pas. Madame Barbara, je te mets au défi. Il y a des solutions avant 2006 où tu peux tracer Joseph Kabila dans ce pays. Dis-nous dans ce pays. Mais tu as connu Joseph Kabila en 1996. Donne-nous les traces de M. Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Aucune trace dans une cul archive. C'est que Kabila est un Kimukolo. Kabila n'a jamais fréquenté le Congo. Il n'a jamais connu le Congo. Il est venu connaître le Congo avec l'agression de l'armée rwandaise. Barbara Nzimbi, notre sœur, notre frère. Mais de mauvaise qualité, cette dame. Mais tu ne sais pas que à Goma, à Bukavu et à Kisangani, on appelait ton monsieur là, commandant Hippo. Le nom de Joseph Kabila a été donné par M. Emile Ngoï Mukena, l'ancien gouverneur. C'est quoi, il y a Barbara. On croit qu'on a mon côté. Et d'ajouter encore, voulais-je dire, que Félix Tshisekedi a craché sur la mémoire de Tshisekedi Wamulumba.
le peuple d'abord, le peuple qui s'est retrouvé, donc il faut s'occuper, le peuple à la place. Mais quand moi, je suis là. Oui. Bon, moi, je suis là, Barbara Zimbi. Est-ce que tu peux poser la question à ton Joseph là? Mobutu te dit à Zaire Rwandais. Qu'est-ce qu'il a laissé au Congo? 384 000 agents non retraités, 220 000 agents non payés NU. Mais Félix est en train de résoudre. Ces entreprises en faillite. De résoudre ce problème. Mais madame, mademoiselle Barbara Zimbi, Joseph Kabila quitte le pouvoir à Tiki Mongafou, à Tiki Cité de l'OEA, président souvent dans la Chinda, où il y a deux chambres et salon, la salle de bain, dans la cuisine. Même pas un palais présidentiel pendant 18 ans. Même quand même à élargir boulevard Lumumba, comment on a 8 bandes. Boulevard Lumumba, 4 bandes. Ben, 1 km à 2 millions de dollars. Contrat sino-congolais sous-facturé. Nous allons à l'hôpital de la rive et couffé déjà. Ponzo, quand même. Mais non, Joseph Kabila, pendant 18 ans, il a construit que 6 ponts. Allez voir dans les archives de l'OVD. Mais Félix, pendant tout ce temps, 60 ponts. Et tu n'as jamais fait un débat à quelqu'un, tu viens seulement donner un. Viens un débat avec moi, je te mets au défi. Je te promets qu'au Bima, la quête dans les pattes, Joseph, c'est un mauvais type. On lui a tout donné, même au Parlement belge. On sait que c'est un Rwandais. Chemin est mort parce qu'il avait découvert des vérités sur M. Joseph Kabila. Madame Barbara Nzemi, mademoiselle, tu peux nous dire aujourd'hui où se trouve le corps de Fidel Bazana, le beau-frère de Chemin. Peuple d'abord, il a craché. Alors, lui, pourquoi ça va défendre l'histoire et à tu peux nous donner aujourd'hui les traces du corps d'Armand Tongoulou. Est-ce que vous savez que M. Joseph a ordonné qu'on brûle Bouquet et les autres dans la siège à l'IDPS? Des parents, des pères de famille qui sont ont été brûlés vifs. T'as rappelé Bino? Entre Bisson et Bino, maintenant l'histoire est jugée et vous serez jugé maintenant. Parce qu'on a été patient, on a été tolérant. Vous savez le mal que vous nous avez fait? Madame Olive, Joseph Kabila, le 26 novembre 2011, Étienne rentre et M. Joseph Kabila, Hippo, choisit de passer par là le jour à Yébi Deba combattant l'IDPS Bazan aéroport. Et on a été tué à bout portant. Le 26 novembre 2011. M'a rappelé, hein? 2011, pendant la campagne électorale. Oui, madame, mais mademoiselle, m'a rappelé, hein? Oui, mais qu'en 2015, le 19, le 20, le 21 janvier, nos amis avec qui nous sommes sortis ne sont jamais rentrés dans leur maison. Est-ce que tu vois, tu m'as compris, Joseph Atiango? Mais 2016, le 19, le 20, le 21, nous avons été tués ici dans ce pays. Qui était le président? Yango, c'est la force commune à Mandougouté. T'as là. Kambere, India Omari, Olibo Kangami, on a mis le besoin là-bas. Vous voyez que nous, on avait l'intention de vous régler des comptes corps à corps tant que Félix a eu le pouvoir. C'est Félix qui nous a apaisés. Nous avons rappelé Bino. Mesdames et messieurs, tous ceux qui passent toujours. Dans votre émission Actualité en temps réel, moi, Namboka, Joseph Mbeza. Et votre apaisement, il s'agit d'un débat, vraiment le débat républicain. Nakati Ambo Cannabis, c'est ça même la beauté de la démocratie. Mais moi, Ambo Cannabis, tu es un peu plus de procès Nanga condamné à mort. Et c'est complice. Je suis un peu plus Joseph Kabila, Oyo Azali Mokozia AFC, Aza condamné à mort. Mais tout le monde kaka Corneille Nanga. C'est en même temps, de l'autre côté, dans le lien, vraiment, comme ça, la symbiose. Il y a des procès. Bande konabiso. Oyo, il y a force du progrès. Balinga ka ba escalader ni boule. Ceux qui ba escalader qui te condamné pe à mort madame Boka Jisango. Te wana vraiment bato nyonso ba rendre jugement na bandino na bande konanga force du progrès. Papa, babu mi mutu te. Wana mboka na sisi si nango. Wana oyo na pesa. Armand Tongoulou a été tué comme ça. Personne. Autre le bambou. Ah oh. Monico, c'est quand la cause à la juger. Monico, le massacre de Bundu du Congo. Oyo Floribert, tu sais, le père est au couf et l'après. Mais zéro nom, Ndeko. Des crimes impunes. Ndeko, toujours Lucas, toi, il m'a identifié la composition à jugement. Mais c'est grave ce qu'il vient de faire. C'est grave. Ari Magina Mboka Oyo. A ben la président de la République, garçon. Garçon. Personne ne l'a arrêté. Monsieur le juge, toi qui as condamné à mort, mon frère, tu étais où? La police, vous étiez où?
Il y a un journaliste ici qui a appelé le président Banabitengi. Vous étiez où? Oui, je reconnais qu'ils ont eu tort. Parce qu'ils ont trouvé l'ordre public. Mais peine de mort, c'est peut-être 6 mois de mort. Peut-être 6 mois de prison, 2 ans de prison, c'est compréhensible. Joseph Abouma Batoua, Abouma Bissot. Vous avez dit qu'on peut me condamner. Ça, c'était réglement. Et puis, la procès achetée à Bolobimine, maintenant, si vous êtes parce qu'il n'y a aucune cour compétente, dis n'importe quoi dans ces pays. Toujours qu'il y a, pour réviser, pour revoir le jugement. Toujours qu'il y a un recours. Et ça l'a raté. Les gens ont été brûlés dans ces pays. Vous voulez mettre Manga et la force du progrès au même pied d'égalité? Dis, c'est n'importe quoi, quel jugement ça. Il n'y a pas d'équité dans ce pays. Ils ont commis des erreurs, mais ça ne nécessite pas une peine de mort. Bouniko, condamnez-les, mais pas de peine de mort. Non, d'abord, condamné à peine de mort parce que les Congolais sont tués, sont massacrés. Et vous prenez un petit bal, vous le mettez sur le même pied d'égalité des Congolais. Mais non, ça, ce n'est pas vrai. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je dis, c'est du n'importe quoi. Ils ont été utilisés par des personnes que vous connaissez. Le bâtonnier a écopé de 2 ans. Pourquoi? L'ancien bâtonnier. Pourquoi? Lui aussi, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est Joël qui t'aime aujourd'hui qui s'est dit en cavale parce qu'il a critiqué le général Kiri Malimba. Mais les autres, là, pendant Bozala qui prend beaucoup, pourquoi vous n'allez pas poursuivre? Je ne suis pas d'accord avec les propos de Joël Kitengi. Mais il y a eu des gens qui ont insulté le président. Qui insulte le président matin, midi, soir? Qu'est-ce que vous faites? N'importe quoi. Condamné à mort. Ou bien tout mal dans les autres. Condamné à mort. Parce qu'ils ont troublé l'ordre public, parce que Olive voulait m'arrosser le ton. C'est-à-dire, on va revoir dans la bolo quoi. N'importe quoi. Parce que Bakenda qui est pas à Olive Lembe Kabila. Je dis Bakoni même Kounate. Même terme. Même terme à procès. On est à goûter. Ça m'a dit quand je dis je t'ai choqué. Je dis n'importe quoi. C'est un jugement. Ces gens-là, il faut les révoquer, les radier. Comme des magistrats et des juges dans ces pays. Mais pourquoi ça m'a recours quand même? Non, mais toujours quand ça recours, il faut toujours que M. Sylvain Moutombo et les autres, la composition, ma cotisa. Et là, comme Soussou, na procès Nanga, moi, na Mboka, Joseph Mbeza, toujours qu'il y a des malheurs. Pardon, procès Nanga, voilà la symbolique. Sous Joseph Kabila, que Barbara Zimbi est en train de vouloir vociférer des choses et carmérer. Il y a eu plusieurs rébellions. On a déjà Babaza condamné. Ça, c'est pour dire que désormais, les choses ne seront plus comme ils ont été avant. On continue la rébellion, tu as une condamnation. Et ça ouvre le Babaza a 3 jours. Il y a recours. Ce recours, il y a été mandat d'arrêt international. Interpol à Kangananga et les autres. Il y a Rimaji. Les tuyaux sont là. Et Joseph Kabila. Et puis, toujours, c'est dans la justice. Quand vous avez été sévère à l'égard de la force du progrès. Total à Binopona, peut perdre total à Binopona Joseph Kabila. Vous l'avez perdu, Joseph Kabila était un rebelle aujourd'hui, mon Gozambo, Kalobi Amo. Total à Bino. Magistrat suprême à Lobi Amo. Pourquoi tellement c'est l'intérêt de Bino corps à corps dans Bokoyo? Si vous recalez à Joseph Kabila, si vous recalez, vous libérez Nandou Antibal. Est-ce qu'il est tué comme Kabila dans ce pays? Est-ce que Nandou Antibal a tué comme Kabila dans ce pays? C'est ça, la beauté à l'état de droit. Quelle beauté à l'état de droit? La justice. Condamner même la peine de mort. Bonico, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Tomona Neko, l'épi à Kabila, n'a pas donné ma boma dans le roulage. Moi, j'étais là. Nanani, ni na sosimat. Au bon sens, à moi, on a un cocolo. Moi, là, il y a Bouchab, boma, mon dossier, prends toujours. Attends, mon tout. Où est-ce qu'ils sont? Bonico, vous voulez blaguer avec nous? Il est peu son pouvoir. Tout est à la place à la mission. Et les combattants ont beaucoup souffert dans ce pays. N'importe aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, les combattants sont arrêtés. Les combattants sont incriminés. Je dis ceci. Bino Boza Bazuzi, Rico Sali, la force du progrès. Ceux qui m'ont sali monté dans un avenir proche contre les autres crimes criminels dans ce pays. Total en Anamboko. C'est normal, hein?
Mesdames et messieurs, tous ceux qui sont sous la émission Nabiso, moi, je suis Joseph. Mes actualités, ma cambouille, ça lui vraiment ébélé, ma solution est ébélé. Élection au Sénat, balobi, batinia, on sous la date, on est allé, banaté. Même discours au Sénat, ils ont sous l'obité. Finalement, pour tu comment on a awa, ma cambouille, les gars qui connaissent un dépôt à candidature, il y a membre à IDPS, pour IDPS, c'est le vieux côté qui est le côté. Bah, moi, il faut pas vraiment. Parce qu'on a dauphin, beaucoup de gens, constitutionnellement, il faut basoyer en haut. Mais qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui que l'élection au Sénat est à la sous-reportée? Qu'est-ce qui se passe? Pour installer un bureau, il y a Sénat, élection est salamie au mois de décembre. Le président de la République a prêté serment au mois de janvier. Les autres, au mois d'août, tout que septembre, vraiment, dans Boka. Tu n'importe quoi. Toujours dit n'importe quoi. Dis n'importe quoi. Cette histoire-là, Union Sacrée Foba Bouma. Ça ne vaut plus la peine. Comment ça? Non. Mais c'est la famille politique qui a chef. Non, non, non. Il faut que Bomango, il faut penser à autre chose. Je dis, est-ce que M. Kamere, président de l'Assemblée nationale, pouvait mettre encore un autre candidat à challenger M. Batimpo? Est-ce normal? Oh. M. Mouhanzi, qui est du sud, qui vous de Walungu comme M. Vital Kamere, contre M. Batimpo, est-ce que c'est normal? Aussi longtemps que Bat de l'autre côté, ensuite de l'autre côté. Je dis ceci. Monsieur Estas Mouangi Moutaïni INC envoyé par M. Kamere à Kende pour compétir avec M. Bati Lukwebo. La poste à deuxième vice-présidence. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi on a essayé de retarder pour passer à la consensus. Ou... Baza Lelo Kamere Kabou Yabengisi Mamounio Solelo. Ma membre à président, Nabatonio Sobazana, sénateur Moko. Nakati ya Sénat, ba kende discuter en attendant, ba bongisa ba vite roane panzana qui est plus ba mika. Raison, ils ont beaucoup plus sécurité et on va profiter dans le moment. Est-ce ça normal? Est-ce ça normal to kende ndengwana? Alors, to panzana biso borango après l'élection au Sénat, qu'on réponde sur autre chose? Nazo lo makaka bo etala non image. Est-ce que vous avez posaté ya ba accompagner bi nos élections? Té, na élection, il faut. Il y a 2028. Non, ya ngonga nazo biso ça, ça n'engage que moi. En tant qu'analyste, là, il y a un parti aujourd'hui. Moi, je plaide M. Augustin Kabouya, mon secrétaire général, président AI. Qui est aussi beaucoup contesté. Oui, qui est beaucoup contesté. Tu relèves l'enjeu, Moussous. Ce qui m'a lié à la politique, tout le monde a mis ça. C'est le moment de conclure des alliances stratégiques en politique avec des partis.
après parce que vous trouvez que... Moi, je dis ceci, il faut penser à autre chose. Des alliances stratégiques avec des partenaires sincères. Tous un espace qui vous, tous une vébate. Na koto, tous une vémboso. Na centre, bisomo, tous un libaneko, tous chapoua. Ça, c'est une réflexion. Jean-Pierre Bemba Nicolo. Tous une base où elle est, on a où tu es, tous une Carole Aguito. C'est fini. 2028, IDPS reste au pouvoir. Tout peut s'y ma poste Moussous. Ta mère, il faut le mettre de côté. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Est-ce qu'on a fini Moutou? Fini Moutou, t'es dans le bilan encore. Nous sommes presque à la fin de notre émission avec Joseph Mbezame, Makamouli Kaki, Wapi. Je suis là pour la candidature. Mais la candidature, tu as dit que 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 tu as dit ils seront aussi jugés, ceux qui vont condamner, ils vont sous à mort. Mais non, il faut condamner les gens là. Mais pas à mort. À mort pourquoi? À mort pourquoi? Il y a où à mort, hein, comme il dit? Pourquoi vous condamner à mort? Il y a des gens là, mais condamner à mort. Il y a des gens là, mais ils coupent sur le même pied d'égalité. Ils ont fait ce qu'on appelle le vandalisme. Il y a des peines prévues pour ça. Mais pas de peine mort. Peine de mort. Yannine, est-ce que vous avez un minou? On a condamné Bango, mais peine de mort. On a arrêté aussi Jacob Béa. Bon, Jacob Béa, je ne connais pas son histoire, mais c'est comme ça que j'interpelle Jacob Béa. S'il vous plaît, tu as déjà fondé un leadership, maintenant il faut que tu ailles. Pourquoi on ancrage une souche? L'UDPS, le combat n'est plus au biceps. L'UDPS, maintenant, c'est le combat de la tête. De la tête. Et de penser comment transformer la société pour l'intérêt des Congolais. C'est fini ces histoires-là de mobiliser. Ce n'est plus la rue. Ce n'est plus la rue, maintenant c'est la tête. La rue, c'est contre nos adversaires. Voilà. Contre nos ennemis. Mais les autres continuent à être combattants jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je vais expliquer. Je donne un message à M. Jacob Béa. Oui, mais pendant l'élection, il y a eu injustice. Salut, moi, j'étais défendu. Mais tu ne me connais pas comme ça. Peut-être de vue, mais on n'a jamais été proche comme ça. Moi, j'étais défendu. Et j'ai toujours soutenu votre combat. Quand tu as été arrêté, Maramba Kamounassa, pour injustement. Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as déjà créé un leadership, il fallait maintenant mettre de l'intelligence pour que aux en encage, aux en notoriété, mon corps assis, même en dehors de l'UDPS. Mais là, il faut que tu ochabas la terre. Ochabas la terre. Tu mobilises pour quelqu'un. C'est pas normal, ça. Moi, je te conseille de rectifier le tir. Ou comme ma politique avérée, aujourd'hui, tu affrontes déjà le média, c'est bon. Mais organise-toi de manière à ce que Okoma, un grand leader politique qui n'est pas seulement du lac Kinshasa au Kassai, mais partout en République démocratique du Congo. Au Katanga déjà, c'est bon. Passe à autre chose. Et moi, de la fin, mon avocat Joseph Mbeza, Otali Kameraya, dès qu'on a dit, c'est au PC Maloba Soukapo, tu connais aussi ça déjà. Corrigez-nous l'erreur du jugement contre les gens, les membres de la force du Pougué, ils ne méritent pas la peine de mort. Il mérite une sanction exemplaire, mais pas la peine de mort. S'il vous plaît, messieurs, qui ont jugé, tout ce qu'il faut, dans ce sens, l'avocat, ça recourt par rapport au jugement, il est en second degré. Deuxième de choses, soutien total dans mon Mokonzi Mboka. Et puis, troisièmement, les Congolais, vous allez simer mon Mokonzi Mboka. Vous allez simer mon Mokonzi Mboka, vous allez diaspora, vous allez awa. C'est le plus important. Et puis, tu prier ligne pour nous contre Mboka. Et puis, pour nous Mboka Nabisson. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Joseph Mbeza, membre de l'UDPS. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Merci pour nous Mboka Nabisson, d'ici qu'à vos amis. Et surtout, vous partagez les liens Nabisson et l'émission. Je suis et vos commentaires. Et vous partagez l'émission comment Mayele. Pour servir aux réponses du Congo et aux notre aide dominante commun et rester surtout branché sur Gears News et nous reviendrons pour avec l'information. Ah, il y a un peu de temps là. Attends.